maître de l'univers. Tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Soif de toi, je lève mes mains pour t'adorer. Adonai, me voici. Shalom, bien-aimé. Shalom. Alléluia. Amen. Il y a une pensée qui s'impose dans mon esprit. C'est que malheureusement, nous avons oublié de réellement rendre gloire à Dieu, de l'honorer dans les cultes. Amen. On néglige. On minimise la grandeur de Dieu. Je n'ai pas du tout prévu, c'est même pas comme ça que je voulais commencer. Mais c'est cette pensée qui me vient et que je vous transmets. C'est que nous avons négligé. Nous négligeons la grandeur de Dieu. Nous ne nous rendons plus compte de qui Dieu est. Et on ne se rend pas compte du privilège que nous avons dans cette nouvelle alliance, de ce privilège de venir à la table. On ne se rend plus compte de ça. Quand je préparais encore cet enseignement, depuis le début du mois, je me suis rendu compte combien dans l'ancienne alliance les gens avaient peur de servir Dieu. Combien il y avait la crainte de sa présence. Combien ils se rendaient compte que c'était un Dieu qui était inaccessible, mais qui permettait à l'homme de venir quand même dans sa présence. Mais nous avons oublié ça. La grâce nous fait oublier des choses. Alors que dans la loi, tu voyais l'animal qu'on devait sacrifier à cause de ton péché. Tu entendais la voix de cet animal en train de s'élever. La voix d'une bête innocente. Mais à cause de la sainteté de Dieu, il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye. Parce que le péché ne peut pas être minimisé. Et celui qui a mené soit un bélier, soit un bouc, soit un pigeon, il se rendait compte de la gravité de sa faute. Mais maintenant, quand on dit « Seigneur, pardonne-moi » et il efface par le sang de son Fils, on est capable de revenir très vite sur le même péché. C'est vrai, il est miséricordieux, il est amour. Mais il est saint. Il est saint. Il est saint. Ses voix ne sont pas nos voix. Sa manière de penser n'est pas la nôtre. Je répète, ce que toi tu penses être grave n'est peut-être rien aux yeux de Dieu. Mais ce que toi tu négliges peut être très grave aux yeux de Dieu. Parce qu'il ne voit pas les choses comme nous. Et il ne les fait pas comme nous. Alléluia.
Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais il fallait que je le dise. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Je répète encore. Le service de Dieu dans l'ancienne alliance était quelque chose qui était redoutable. Quand le souverain sacrificateur, parce qu'on devait le choisir pour chaque année, donc pendant les, entre guillemets, les 12 mois de l'année, par rapport au moment où lui devait entrer, il devait se préparer pour un seul jour de rencontre. Et quand il y entrait, c'était encore en ne sachant pas s'il allait en sortir. Mais on parle d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la présence de Dieu nous est tous accessible dans un certain degré. Quand je dis dans un certain degré, parce que bien que le voile soit déchiré, tous nous n'allons pas dans la même profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cela se voit dans l'Ancien Testament, quand il y avait les castes. Il y avait Aaron, le souverain sacrificateur. Il y avait les sacrificateurs et les lévites. Et il y avait le peuple. Tous accédaient dans le tabernacle, mais pas au même endroit. Le peuple s'arrêtait au parvis avec ses bêtes pour offrir le sacrifice. Mais il entrait dans le parvis. Qu'est-ce qu'il voyait? La grande cuve de purification. Amen. Il y avait de l'eau là-dedans. Et juste à côté, il y avait la grille d'airain. Là où on devait brûler le sacrifice. Il voyait ça quand on parlait de Dieu. C'est ça que le peuple lui voyait. Amen. Amen. Maintenant, c'est ouvert. Nous venons tous ici. Mais ce n'était pas comme ça avant. Maintenant, les Lévites, ils étaient dans le sanctuaire. Les sacrificateurs sont ceux qui posaient le sacrifice sur la grille d'airain. Amen. Et ils pouvaient s'arrêter jusque dans le lieu saint. Ils voyaient le chandelier. Ils voyaient les pains de proposition. Des symboles de Christ. Juste avant d'entrer dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, il y avait l'autel d'encens qui brûlait, symbole des prières qui montent vers Dieu. C'est tout ce qu'il voyait. Amen. C'est tout ce qu'il voyait. Et les Lévites, quand le camp devait être se démobiliser, déplacement. À un moment donné, il fallait entrer dans le Saint des Saints. Mais ils n'avaient pas le droit normalement. Alors comment ils y entraient? Ils y entraient à reculons. Comme ça. Parce qu'ils ne devaient pas regarder là où il y avait l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Entre guillemets, rien de spécial. Entre guillemets. Non, pas Malonga. De spécial. Il y avait l'Arche de l'Alliance. Ok. Il y avait le coffret qui était dans l'Arche de l'Alliance. Il y avait la verge d'Aaron. Un bâton. C'est tout. Mais ça, ils ne pouvaient pas regarder, ils n'avaient pas le droit. Alors ils devaient entrer comme ça. Ils prenaient tout et ils partaient sans regarder. Parce que la présence de Dieu est redoutable. Alléluia. Mais par Christ, le voile s'est déchiré. Tous nous pouvons entrer.
On peut regarder la présence de Dieu. On peut admirer la présence de Dieu. On peut sentir les bienfaits dans la présence de Dieu. On peut même dire des phrases qu'on aime dire ici, chercher son identité dans la présence de Dieu. Rattraper ce que tu étais dans la présence de Dieu. Des choses qui semblent un peu compliquées, mais réelles. Quel privilège. Amen. Et c'est ça le sacerdoce royal. Si je dois résumer. Amen. Puisque nous allons communier à la table. J'aime Dieu parce que des fois, tout ce que je dis, je ne l'ai même pas écrit. Mais c'est comme ça, Dieu. Et je l'aime. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Pas pour moi, pour Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je vais lire les deux textes de référence. Je lirai le premier qui est dans l'Ancien Testament et le deuxième qui est dans le Nouveau Testament. Nous allons parler un peu et nous allons communier. Amen. Alléluia. L'Éternel est bon. Il est digne de louange. Dans Exode 19, versets 5 à 6. Exode 19, versets 5 à 6. Je vais lire pour nous dans la version second 21. La Bible dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Amen. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, je vais lire dans deux versions. La version Chouraki dit ceci. Mais vous, semence choisie, sacerdoce royal, nation consacrée, peuple acquis pour que vous proclamiez les louanges de qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et dans la version parole vivante, il est dit ceci. Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de roi prêtre, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, il y a des termes qui reviennent. Semence choisie, race élue, peuple choisi. Ça montre l'élection, la souveraineté de Dieu qui choisit. Il choisit pour un but qui est le sien, de se faire un peuple. Amen. Mais au début, la pensée ou les ambitions de Dieu étaient que ce soit tout le monde qui puisse faire partie de cela. Amen. Mais il est parti du choix d'un homme, Abraham. Il est parti d'Abraham. Il lui a dit, je te bénirai, ainsi de suite, dans Genèse 12. Je te multiplierai. Amen. Je te rendrai grand. Je rendrai grand ton nom. La pensée de Dieu était que cela s'étende à tout le monde, à la terre entière. Il le dit, car toute la terre m'appartient. Mais le peuple qu'il a choisi, à un moment, il se montre indigne. Amen. Et là, au sein de ce peuple, il choisit une famille. C'est la famille de Lévi. Les Lévites.
Et le pasteur Flarin, nous a parlé de Lévi et de Judas. Amen. C'était deux choses qui étaient séparées dans une famille. Mais avant Lévi et Judas, des personnes ont fait ces choses entre guillemets mélangées. Abraham a fait office d'un sacrificateur. Abraham azala ki motumimbeka. Job offrait des sacrifices pour sa famille. Amen. Mais avec les petits problèmes qui se passent dans Genèse, Dieu sépare cet office. Amen. Mais comme Dieu marche aussi avec les types, les figures, les préfigurations, il a choisi un homme, David, pour montrer ce que il voulait pour l'homme. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Je suis en train de résumer un peu tout ce qu'on a. Il y a tellement de choses, mais il faut vraiment aller reprendre un peu tout ça. Au bout d'un mois, on a un peu oublié, je suis sûr. Amen. David montre ce qui était à venir. Si vous remarquez, quand David reçoit l'onction pour la première fois dans sa famille, devant ses frères et ses parents, on dit que le Saint-Esprit ne le quitta plus. Alors que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait et partait, entre guillemets. Il venait et partait. Mais là, on nous dit que il ne le quitta plus. Amen. Parce que maintenant l'Esprit demeure en nous. Alléluia. Et quand il fait son péché avec Bathsheba, il dit encore une chose qui fait comprendre que il avait une grâce particulière. Il dit, ne m'enlève pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Or, si ça venait, ça partait. Il pouvait dire, continue à me visiter. Ou bien comme Samson, continue à m'agiter et que j'agisse. Mais là, il dit, ne me retire pas. Alléluia. On comprend par là que ça devait toujours être avec lui. Et le pasteur Flarin nous expliquait comment le roi David a offert des sacrifices quand il a pris l'arche de l'alliance de la maison d'Obed-Edom et que ça montait à Jérusalem. Après, il a béni le peuple. Il a donné à manger. Et il a offert des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Il y a un roi qui a voulu faire cela. Le roi Ozias. Et la Bible nous dit qu'il a été frappé de lèpre. Parce que il n'avait pas le droit de le faire. Parce que Dieu ne blague pas quand il te dit ça, ce n'est pas à toi, ne t'hasarde même pas à le faire. Alléluia. Saül avait l'onction royale. Mais Dieu ne prévoyait pas qu'il fasse un sacrifice. Il devait attendre Samuel. Et là, il y a une phrase qui va nous faire entrer dans ce que notre frère Gloire nous avait enseigné. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le sacrifice en soi est important. Mais l'obéissance fait déjà office de sacrifice. Et nous avait été dit ici que le sacrificateur doit être obéissant à ce qu'il entend de la part de Dieu. Et là, c'est encore une autre chose qu'on nous a dit. L'écoute. Alléluia. Je ne vais pas trop vite. Ça passe. Alléluia. Le service
ou le sacerdoce. Ce sont entre guillemets les règles. Les règles. Pour le travail de Dieu. Pour le service de Dieu. Alléluia. J'ai parlé du choix. Avec Abraham et ainsi de suite. J'ai parlé de Lévi. Et en parlant du roi David, on arrive à Christ. Fils de David. Amen. Tous les sacrifices de l'ancien qui se passaient dans l'ancienne alliance. En fait, quels étaient les rôles de ces sacrifices? C'est vrai qu'on a parlé du sacrificateur. On a parlé de l'obéissance. On a parlé de l'écoute. On a parlé de la consécration. Et on a parlé de la discipline. N'est-ce pas? Ce sont les quatre points qui ont été développés le dernier dimanche. Mais maintenant, le sacrificateur, il offre des sacrifices. Offrir ou bien apporter une offrande, c'est littéralement ce que tu viens faire approcher de Dieu. C'est ça l'offrande. Je répète, hein. Supposons que ça soit mon offrande. Et que Dieu est là. Quand je fais une offrande à Dieu, ça veut dire que je suis en train d'approcher quelque chose de Dieu. Amen. Voilà pourquoi l'offrande devait être pure. L'offrande ne devait pas être un animal qui avait des défauts. Parce que Dieu n'en a pas. Parce que Dieu est pur. Et souvent, Père Franck nous dit ici qu'une dîme, peu importe son origine, le sacrificateur l'accepte. Parce que c'est la loi. Mais l'offrande nous montre l'amour que nous avons pour Dieu. Nous montre, entre guillemets, comment on se donne à Dieu. Puisque quelle est la plus grande offrande que nous donnons à Dieu? C'est dans Romains 12:1. Offrez vos corps en sacrifice. Car ceci est un culte agréable. Le culte de l'âme. S'offrir soi-même. Offrir son cœur. Parce qu'il a été dit, on sert Dieu avec le cœur. On offre à Dieu. On apporte ça. On offre à Dieu l'offrande. On tient ça à la main. Ou le sacrifice, pardon. Je veux dire. C'est le sacrifice, pas l'offrande. Tu tiens ça à la main. Mais il y a ton cœur qui parle. Amen. Amen. Et toutes les règles pour amener ou pour offrir à Dieu n'avaient que deux choses: de montrer le caractère de Dieu et de montrer la nature de Dieu. Voilà pourquoi, si vous lisez le livre de Lévitique, vous allez commencer à dire: mais je m'ennuie. C'est une succession de tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si tu veux offrir tel sacrifice, il faut qu'il soit comme ça. Il faut que tu l'amènes d'une certaine manière. Il y a une chose de plus qu'on amenait dans un type de sacrifice, c'était le sel. Amen. Pour montrer la pureté. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore. Le peuple, les sacrificateurs, ne devaient jamais oublier qu'ils servaient un Dieu saint, qu'ils s'approchaient d'un Dieu saint, et qu'il était redoutable dans sa sainteté. Ils ne devaient jamais oublier ça. Jamais. Et c'est la même chose pour nous. Quand nous nous approchons de Dieu au travers de la table,
Nous devons d'abord avoir en tête que ce qui s'est passé là, c'était l'offrande ultime, le sacrifice ultime, définitif. Il n'y a rien au-dessus du corps et du sang de Jésus offert à la croix. Rien. Amen. Quand la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, la condamnation, elle venait de Dieu. Parce que Adam avait péché. Amen. Et c'est le problème de Dieu, c'était le péché. Comment résoudre le péché? J'ai créé l'homme à mon image. Il est différent des animaux. Les animaux sont beaux, majestueux, comme le lion, comme le léopard, rapide comme le guépard, vif comme l'aigle, majestueux comme le regard de l'aigle. Bref, la nature, elle est merveilleuse. Mais l'homme est à part. Même par rapport aux anges, l'homme est à part. Parce que si vous lisez dans l'épître de Pierre, les anges sont en train de se poser la question. Mais comment, je paraphrase. Non. Ah, c'est ça, paraphraser. Bon, je crois qu'on a compris. Je paraphrase. Comment on dit ça en ligne? Voilà la pensée. Comment Dieu peut mettre dans l'homme un homme faible, faillible, son esprit? Amen. Comment Dieu peut faire ça? Alors que les anges qui sont restés fidèles à Elohim sont purs, sont saints, ils ne pêchent pas, ils adorent matin, midi, soir. Mais Dieu n'a pas mis son esprit en Michel ou en Gabriel ou en Michel. Mais il a mis son esprit en toi et en moi. Mystère de l'amour de Dieu. Mais il a tellement aimé l'homme que quand l'homme s'est éloigné, il a dit je dois faire quelque chose pour le rattraper. Je dois donner le sacrifice qui va annuler ma propre condamnation. Alléluia. Mais avant de faire cela, il fallait qu'il donne la loi pour que l'homme comprenne la gravité du péché. Que Dieu ne traite pas le péché à la légère. Que pour Dieu, un petit péché est un péché, un grand péché est un péché, et tout cela demeure péché et l'éloigne, éloigne de Dieu. Amen. Il a donné les 10 commandements. Il a donné plus de 613 ordonnances et préceptes. Allez lire Lévitique. Amen. Et la deuxième partie d'Exode. Au début, je n'aimais pas trop lire ça. Je l'avoue. Mais j'ai compris que la vérité, pour comprendre l'adoration, il faut lire ces livres-là. Abraham n'avait pas lu Lévitique, hein? Mais quand Dieu lui a dit va offrir ton fils, on nous a parlé ici de ces trois jours de marche, de la mort en Abraham et ainsi de suite. Amen. Mais ce que Abraham avait compris, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je vais à la montagne, je vais adorer. Amen. Il dit je vais adorer, alors que Dieu lui dit va donner ton fils. Mais Abraham dit je vais adorer Dieu. Alléluia. Je répète encore, fais un sacrifice. Ça veut dire adore Dieu. Ça veut dire que ce sacrifice doit te coûter. Voilà pourquoi David disait je ne vais pas offrir quelque chose qui n'a pas de prix à Dieu.
Alléluia. Si tu veux comprendre, si tu veux être un véritable adorateur, ne sois pas un bon chanteur. Excusez-moi, mais ça aide. Sois un grand sacrificateur. Ça veut dire sois quelqu'un qui fait des sacrifices. Offre ta vie en sacrifice. Sacrifie des heures de sommeil. Sacrifie des entre guillemets plaisirs. Sacrifie un moment, un temps que tu dis j'aimerais me reposer, j'aimerais aller me détendre au fleuve. Que sais-je? Tu t'enfermes dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'offrir en sacrifice mes louanges. Alléluia. Et là, tu vas devenir un grand adorateur. Et tu vas connaître les merveilles de la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous a enseigné l'adoration par le sacrifice à la croix. Il a donné son meilleur. Alléluia. Et toutes les difficultés que l'homme avait pour accéder à Dieu ont été résolues en une fois. Amen. Alléluia. C'est ce que nous allons faire ce matin. Arrivé à la fin du mois de février, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des deuils. Il y a eu des situations compliquées. Il y a eu tellement de choses. Certains ont été bénis. Certains ont perdu quelque chose. Mais nous venons adorer. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est Dieu d'abord. On ne pleure pas dans la présence de Dieu. Non. Bon, pardon, oui. On ne pleure pas dans la présence de Dieu d'abord parce qu'on manque quelque chose. Ou qu'on est dans une situation difficile. Mais on pleure d'abord dans la présence de Dieu parce qu'on se rend compte qu'il est Dieu et qu'il est au-dessus de toute chose et que notre problème, peu importe sa grandeur, trouve une solution chez lui. Amen. Et ça, ce n'est pas un slogan que je dis. Parce que je vous assure, j'ai aussi des problèmes terribles. Mais je vois comment Dieu les résout. Un par un. Un par un. Un par un. Je vois la main de Dieu. Un par un. Il est en train de m'apprendre à l'adorer. Un par un. Il est en train de m'apprendre à m'oublier. Amen. À devenir un roi sacrificateur. Alléluia. Le maître de l'univers, tu règnes. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira. Yahweh Shama, Yahweh Shama, Yahweh Shama, Yahweh, oh, 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 oh. Yahweh, Yahweh Shama. Me voici ton saint trône, mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer, Adonai. Me voici